et la jeunesse aux expressions féminines. Alors, comme Thomas en a parlé, donc il y a vraiment cinq axes qu'on a mis en avant. La campagne ne se limite pas à une manifestation. Donc, pour un peu résumer tout ce qui s'est déjà passé ces derniers mois, on a notamment organisé de nombreux débats dans les quartiers avec les jeunes, notamment certains débats, notamment avec les présences de la police. Donc, il y a déjà eu des débats à La Louvière, à Bruxelles, et il y a un débat qui est bientôt en préparation à Liège aussi. Et donc, il y aura de nouveaux débats aussi qui vont avoir lieu à Bruxelles. Une deuxième partie un peu de la campagne, c'est tout un dossier pédagogique qui a été rédigé et qui est toujours en cours de rédaction. Vous pouvez trouver ce dossier sur le site stop-répression.be et vous pouvez trouver aussi une partie de ce dossier et un autre dossier pédagogique sur le même sujet dans l'InfoKit, qui est donc le magazine de la jeunesse ouvrière chrétienne féminine. On peut vous le procurer, donc s'il y a des gens intéressés, on pourra vous faire parvenir un exemplaire. Ou sinon, vous pouvez le trouver aussi en PDF sur le site de la JOC. Donc le site, c'est www.joc.be. Ben voilà, je crois qu'on peut céder la parole à Julie.